Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre de gagner beaucoup d'XP très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens juste à vous demander de vous connecter sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map. Parce que quand on aura l'XP sur cette map, on va pouvoir vous proposer de meilleurs glitchs d'XP qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels par glitch. Donc n'hésitez pas à vous connecter une à deux fois par jour tous les jours sur cette map pour nous aider à débloquer l'XP. Alors bien sûr le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Alors, le code du glitch d'aujourd'hui que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le 6582219680706. Le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Donc, vous entrez ce code, ensuite vous appuyez sur « Jouer » et là, vous lancez la partie en privé pour pas être dérangé par les autres joueurs. Donc, hop, je le mets en privé. Alors, pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, pour me soutenir. Donc merci à tous ceux qui le font, c'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Alors par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et mettre un petit commentaire pour le soutien. Merci à tous. Alors quand vous êtes dans la map, vous allez tout simplement appuyer sur Options, Menu et lancer le jeu. Donc voilà. Alors ensuite, quand le jeu est lancé, vous allez devoir attendre 10 minutes si vous voulez gagner plus d'XP. Vous pouvez commencer les glitches d'XP directement sans attendre les 10 minutes, mais si vous n'attendez pas les 10 minutes, ben vous gagnerez moins d'XP. Donc moi, je vais attendre 10 minutes, je préfère pour vous montrer le potentiel du glitch, mais vous faites ce que vous voulez, soit vous attendez, soit vous le faites directement, vous faites les glitches que je vais vous présenter. Donc moi, je vais attendre et je vous reprends tout de suite après. Alors, il faut savoir que hier, j'ai déjà présenté ce glitch avec mon compte principal. J'avais pris 150 000 XP si je me souviens bien, mais apparemment il n'est toujours pas patché, donc c'est pour ça que je vous le représente aujourd'hui. Alors dans 5 secondes j'aurai attendu 10 minutes, voilà, là j'ai attendu 10 minutes. Donc quand vous avez attendu 10 minutes, bah, vous venez à côté gauche du code créateur, près du jump ici, dans le coin là-bas, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5 carrés, et ensuite vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rampes. Ensuite, ici, vous avez des boutons à interagir. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, vous interagissez avec. Ok, donc ça me rapporte 12 000, 23 000, 30 000, 59 000, 61 000. 61 000 plus 13 000, ça fait 74 000. Alors quand vous êtes ici, vous avez plein de boutons aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 boutons que vous pouvez interagir. Donc vous mettez un sol ici. Donc quand vous êtes sur le 10e escalier, vous mettez un plat. Ensuite, vous mettez un escalier, un plat et vous avez les boutons. Ensuite, vous mettez un plat ici et là, vous vous renfermez. Pas tomber quand vous faites le glitch, hop, et vous allez appuyer sur tous les boutons comme ceci, voilà. Ok, donc j'ai gagné 58 000 plus 7 000, ça fait du 65 000. Donc 65 000 plus 73 000, ça fait blindé, hein. 65 000 plus 75 000, ça fait 140 000 les potos, hein. Donc le glitch est toujours fonctionnel, hein. 140 000 en un glitch. Alors c'est pas tout parce que vous allez pouvoir gagner de l'XP au XP Shop, qui est juste là-bas, donc à côté du mode spectateur et de la cabine téléphonique. Vous allez à l'XP Shop, voilà. Ensuite ici, vous appuyez sur le bouton interagir. À chaque fois que vous allez appuyer dessus, vous allez gagner des XP. Donc vous spammez la touche. Voilà, vous gagnez des XP en illimité. Ensuite ici, quand vous allez détruire ces trois serveurs, vous allez gagner des XP. Donc je vais les détruire. Et je vais vous montrer combien d'XP je vais gagner. Regardez, quand vous vous collez à l'objet, vous pouvez tout le temps toucher le rond. Donc collez-vous bien à l'objet pour le détruire plus facilement. Ok, donc là j'ai bientôt fini de le détruire. Boum.
Alors celui-là m'a rapporté 2600 XP. On va casser le deuxième. Ok, donc j'ai bientôt fini. Voilà, celui-là m'a rapporté 2600 aussi. On va casser le troisième pour voir s'il me rapporte la même chose. Ok, j'ai bientôt fini. Boum. Et celui-là me rapporte 3700 XP. Alors ici, vous avez un bot. Quand vous allez le tuer, vous allez gagner des XP en illimité. À chaque fois que vous allez le tuer, donc ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre un élastique sur votre touche tirée pour gagner 72 XP en illimité sans rien faire. Donc vous vous mettez ici, vous tirez et vous gagnez des XP en illimité sans rien faire avec un petit élastique sur votre touche. Alors ensuite ici, il y a le jump. Donc pour gagner de l'XP en illimité avec le jump, vous mettez une rampe comme ceci. Ensuite, vous la modifiez, vous l'inversez. Là, vous avancez comme ceci. Voilà, comme ceci. Et là, vous activez votre pad. Comme ça, vous avez la course automatique qui va se lancer. Et regardez, ça va gagner, vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc, regardez en haut à droite, je suis à 20 900. Et là, mes XP diminuent. 8 par 8, 16 par 16, un truc dans le genre. Donc voilà, toutes les secondes, je prends 16 XP ou 8 XP. Donc ça, c'est une technique aussi. Alors ensuite, vous avez un dernier bouton qui est ici. Quand vous allez interagir avec, celui-là, vous pourrez interagir uniquement quand vous aurez patienté 10 minutes. Donc, vous ne pourrez pas interagir avant. Donc, vous interagissez avec, ça va prendre plus ou moins 20 secondes. Donc voilà, là, j'ai bientôt fini, boum. Et celui-là m'a donné 4000 XP. Donc voilà, là, vous avez le choix. Quand vous avez terminé les glitches, soit vous appuyez sur arrêter le jeu et vous relancez le jeu en illimité pour gagner des XP. Vous recommencez le glitch en illimité pour gagner des XP. Ou soit vous utilisez la technique secrète qui sera en description, en commentaire épinglé, qui vous permettra de gagner 5 fois plus d'XP. Donc là, j'ai gagné plus ou moins 150 000 XP avec ce glitch. Donc si je fais x5, ça fait 6000 XP ou 7000 XP, 7500, ouais, je sais pas trop. Je suis seul matin, j'ai pas envie de calculer, mais voilà, ça fait 700 000 XP, plus de 700 000 XP. Donc ça vous fait presque 10 niveaux en un seul glitch. Donc n'hésitez pas à aller voir la technique secrète qui sera en description, en commentaire épinglé si vous ne la connaissez pas. Ou alors tout simplement hein, vous tirez sur le bot comme ça en illimité pour gagner des XP en illimité. Ou alors vous utilisez le jump comme je vous ai montré pour gagner des XP en AFK. Ou alors vous appuyez avec un autocliqueur sur le bouton pour gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.